c'est le 0 en points, c'est bien Noah Potier. Allez, on saute une catégorie. On saute une catégorie, c'est-à-dire que ça va aller plus vite encore. Voilà, là, il y a une chute, attention, ne tire pas, il a sa jambe passée. Voilà, c'est reparti maintenant, on est volé, mixé gauche, Charles Martin. Ce sont les pupilles que nous avons là pour la série 207 sur la piste Dominique et Jean-Claude Guyot de Beaune. On va voir un peu, c'est Gauchard Martin de Beaune qui est aux avant-postes. Un autre Beaunois, Bastien Cliquetot, est en seconde position avec la plaque 87. En troisième position, c'est Jean-Claude Nolan des Pays de Vejoul. Et le quatrième place, je crois que c'est Bertrange là-bas. Oui, Bertrange avec Paco Février qui va prendre une quatrième position et ainsi se qualifier pour la grande finale. Les deux Beaunois aux deux premières positions ont eu la partie aisée dans cette première demi-finale. La troisième place, je vous le rappelle, elle est combattue par le 81, c'est-à-dire en l'occurrence Jean-Claude Nolan de Vesoul. Autre chose. Allez, deuxième demi-finale. Catégorie des pupilles avec Chalumeau, Adam, Roslin, Loan, Enzo Pizzagalli, Luca Huard, il y a Paul Kerber, Romain Vivant, Léger Terence et Gaspard Préto de Besançon. Voilà, vous connaissez tous les noms. Est-ce que notre ami Adam Chalumeau, content Baritago, va prendre le large? Oh, elle montre un passant qui est un tout petit peu. Luca Huard qui boume, occupe la troisième position actuellement. Le leader c'est le 75, le 75 Pizzagalli, devant le 61, le 78, Chalumeau attend, et le 61, Terence Léger. Il reste un nom, il reste un nom à connaître, c'est-à-dire une quatrième place qualificative pour la grande finale de cette